C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brouckère, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien. Et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus. Alors, qu'est-ce que les stars mangent? Les stars mangent du brocoli. Pourquoi? Parce qu'il y a de, trop, de jouer trop bien. Est-ce qu'on a des têtes vibrées? Quoi? Merci. Dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Ce soir, mais depuis un bon bout de temps sur mon chemin, je suis aussi sur le leur, et puis qui sont avec moi pour, pour toute cette tournée. Tout d'abord Dominique Perrier, avec qui je travaille depuis longtemps, les chansons de Christophe, comme les Bleus, les Paradis Perdus, etc. Et puis on a fait beaucoup d'albums ensemble, beaucoup de concerts, et je suis ravi qu'il soit avec moi et qu'on soit ensemble pour cette tournée, et ici évidemment à Bruxelles ce soir. Merci Dominique. Merci Dominique. Claude Sama, qui est le nouveau venu, mais on se quitte plus depuis 5-6 ans maintenant, et qui est le coordinateur musical de l'équipe. Et enfin Francis Ramer, qui est le pour moi, avec qui on a travaillé à de nombreuses occasions. Et maintenant, ces instruments ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont capricieux à une époque où en général tout est préprogrammé, où tout doit être lisse, sans accident. C'est exactement l'inverse avec ces instruments. On est dans une situation qui est vraiment à 100% totalement live, je dirais, sans ordinateur, sur scène. Et donc, avec toutes sortes d'accidents qui peuvent arriver, j'espère qu'il y en aura pas trop ce soir, sinon on les partagera ensemble, on les partagera avec vous. Voilà, alors on a, avant de commencer, on a le rituel qui désormais devient effectivement quelque chose de régulier, qui est d'accorder d'abord tous ces instruments, comme on le ferait avec un orchestre. C'est ce qu'on va faire avec vous, avant de commencer à jouer. Donc bonne soirée, voilà, et à tout de suite.
Merci beaucoup. Après, très intéressant. J'ai bien aimé le miroir, on voit tous les musiciens. Ah oui, c'est vrai. Et le tonnerre. Et le tonnerre. Dieu qui faisait la poudre. Mireille, là. Et moi, j'ai bien aimé le morceau répétitif d'après Amandine. Ouais. C'est un morceau d'il y a 20 ans. Eh bien, c'était génial. Et voilà. Et papa, félicitations. T'en ouais, jettes. Vraiment, hein. Vraiment. Papa Rimbert. C'était superbe. Et le coup du miroir, ça c'était vraiment. Ouais, c'est chouette, hein, on les voit bien jouer. Pas du tout, et ça permettait, nous qui étions en dessous, de voir ton père peut-être un petit peu mieux. Ouais. Et franchement, c'est intéressant. C'est du bon côté en plus. Hein. En fait, ouais. Fait exprès, n'était ouais, ouais, ouais. Tous les claviers. J'ai envie d'aller là et d'appuyer mon ça. Impression. Bah attends, tu fais. Je vais prendre ma cigarette. Ça y est. Juste un moment. Alors j'arrête. Alors je filme Sophie. Là. Interlude. Bon d'accord, j'arrête. Moi j'y ai pensé, mais il y a trop à dire. Ouais. En fait, c'est un peu comme du free jazz, psychédélique. Psychédélique, je crois que c'est le mot. Oui, c'est psychédélique. Je crois qu'il y a quand même une suite. Ouais. Un défoulement par moment. Tu pars dans tous les sens. Ça revient en douceur. Ouais. Pourquoi s'endormir hein, et puis non, ah bah non, zut. Monter dans les ciels et puis redescendre, se réendormir. Ce qui est difficile pour des jeunes comme nous, c'est que c'est anti-commercial, je trouve. Ah oui. Et c'est tout à fait underground. Mais parfois il y a des sonorités commerciales et on y pense et parfois c'est tout à fait très personnel. Ouais. Tu sais, c'est à 20 ans. C'est de plus en plus difficile pour nous, dans notre carcan, etc., de se mettre vraiment dans la musique. Bonjour. Il y a une partition. C'est la partie Alex de Radio Equinox. Pardon ? Alex de Radio Equinox. Oui. Merci, je te ferai un gros salut du Ch'timi. Hein, et puis on se rejoint très bientôt de la part de Radio Equinox. Ciao. Salut. Coucou Francis, parisien. Allez, on se voit. Vous voulez parisien. Oui, il est là. Oh, là. Et dimanche prochain, à Londres, ça sera la même chose. Je sors le drapeau aussi. Demain, nous, pour un salon, par des parisiens, toujours les mêmes. Voilà. Et des parisiens. Alors, je suis ici, je vois les gens. C'est sa caméra, donc il verra tout après le concert. C'est sa fille, peut-être, non? Oui. Non, mais il est en Angleterre. Moi, c'était bien, comme d'hab, quoi.